Alors, aujourd'hui, il fait beau. On peut enfin mettre des t-shirts. Aujourd'hui, on commence les maudits sur la S13. On a les combinés, les jantes, les pneus, la ligne et un truc en surprise. Donc, cette vidéo est faite en collaboration avec Driftworks. Alors, qui s'occupe de la revente et de la création de produits pour le drift. Ils sont en Angleterre. Ils ont accepté de travailler avec moi. Du coup, j'ai eu un petit deal sur les combinés, une belle réduction. Je vous conseille vivement d'aller prendre un truc chez eux si vous faites du drift. C'est vraiment un des plus gros européens. Ils ont créé leur propre combiné, les Driftworks CS2. Alors, je vous laisse se découvrir. On va installer tout ça avec Nico et Paul qui vont arriver dans un instant. Gaëtan qui va venir aussi avec nous pour filmer un petit peu. Ils font partie des meilleurs combinés européens, voire mondiaux. C'est utilisé en compétition par beaucoup parce que c'est très réglable et tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est pour S13, hein, 200 SX, ceux-là. Mais ils en font aussi pour S14, S15. Il y a pas mal de JAP, malheureusement les CS2 c'est pas pour le 36. Ça fait longtemps que je commande chez eux, bien avant que je sois en collaboration. Je kiffe vraiment leur mentalité et en Angleterre le drift c'est un truc de fou. Je vais aller chercher Nico avec la S13, dernière fois qu'on va rouler avec, on a les stocks avant de la modifier. Vous l'aurez probablement marqué, hein, mais je filme avec la 7S2, la super qualité. On l'a loué pour le week-end, peut-être, dites-moi si ça vous tente, un court-métrage. Une fois que toutes les modifs sont terminées, vers chez où Alexandre habite, donc dans un putain de col. Si ça vous tente, laissez-moi savoir. Putain de merde, j'ai trop hâte. Oh, c'est chaud. Allez, c'est parti. Le petit G7X derrière, il suit pas à niveau qualité. Hein. Oh putain, mais mon gars, mais il fait si bon. Il chauffe. Ouais, elle chauffe, elle allait bien, parfait. Ouais. Les roues, on les installe dans la prochaine vidéo. C'est pas n'importe lesquelles. Hein. C'est de la bonne roue, sa mère. Ah ouais, j'ai craqué. Oui ? Ça fait la bourse ? Non. J'aime, merci pour le pull. Ça, c'est les combinés. Et ça, Gaëtan, c'est le Sony A7S2. La carte mémoire fait 64 Go, du coup, c'est vraiment... Oui, un poil de la merde. 100 mégas, mon gars, par seconde. Bah, du coup, on va rentrer à la 13. Franchement, tu veux que je te dise un truc? Non. Ça marche, allez, je me tire. Je me tire, mec. C'est surréaliste pour moi parce que j'attends ça depuis beaucoup trop longtemps en fait. Même moi, je pense pas. Ouais. Allez, ouais, bah, on va à la rentrée peut-être avant de. Ouais, avant de déballer les trucs, oui, de les mettre, oui, par terre, bon. Et. Hein. Voilà, on après. Je vais préciser un truc. Oui. Paul est en retard. Du coup, je sais, pour ceux qui sont que fans BM, vous êtes déçus, mais de toute manière, moi je prends une ouverture d'esprit, donc c'est très sympa ça, en fait. Bien mieux pour le drift. Ah, bisoux. C'est lourd, ma chan. Oh mon pote. Ah, il mentait pas. Hein. Tous les gens qui m'ont conseillé les CS2, vous ne mentiez pas. Ça sent la qualité, bordel. Et genre, c'est super facile à monter. Genre, c'est deux écrous là, trois écrous là. D'accord. Alors celui-là, il faut savoir si c'est le gauche ou le droit. Est-ce qu'on sait comment? Est-ce que la pré-contrainte est déjà faite? Oui. Donc tu ajustes la hauteur indépendamment avec ça, tu desserres la bague et puis tu remontes. Donc là, attends, je vais faire un truc. On va mettre un chrono, un timer, 30 minutes, pour tout changer. Les 4. C'est parti. Tu cherches quoi? La 17. Ah, je l'ai pas sur... Il faudrait quelqu'un qui tienne la clé. Ouais. Wouh, ah, bah. Je vais mettre des gants. Pour pré-shot ma grosse blessure comme ça là. C'était serré de ouf. Donc là c'est desserré, genre c'est super facile les combinés. L'astuce de mécano c'est de tourner les deux en même temps. Du coup tu vas encore plus vite. C'est ah ça oui. Que Paul il m'avait appris. Paul est un touche-tout. Et Paul est en retard. Et Paul est en retard. Ouais. Il te reste 23 minutes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le minuteur. Hein. Putain, normalement c'est 5 minutes par côté. 1. Oh, c'est facile là, ouais. Putain, je l'ai. Oh, tiens. Oh. Oh, ça va le retardataire? Oui. Ça va. Comment tu vas, Thomas? Tu aimes? Un cas. Ouais. Oh, je vais pas lui faire. Pas bon, lui. Donc, c'est ça.
qui est tenu à ça. Parce qu'il n'y a pas de vis. Oh quelqu'un de très confiant. Non, pas du tout. Merci. Tu sens la chasse au bling. Tu sens que la stress va être plus basse parce qu'il faut remonter le cric. Donc ça, ça va plus haut. On va dire que je vais faire 3 tours, voire... Plutôt 5. Je pense que là, niveau hauteur, je pense que là j'ai déjà enlevé 2 cm. On va déjà voir ce que ça donne. Je pense qu'on va être tellement bas déjà stock, ça va frotter. Il faudra qu'on mette de la graisse filetée sur les, bah, sur les filetages. J'en ai pas maintenant, mais je vais en commander. C'est combiné, c'est quand même genre... plug and play, quoi, c'est ouf. Genre, tu vois ce que Alex il ferait dans cette situation? Je repeins tout mon noir. Genre t'as tout qui est propre en fait. C'est quoi ces voisins, toutes ces visseries? Merci. Regarde. Je... truc là, là. Donc c'est pas le bon qu'on a monté. C'est pas grave, on n'a pas monté grand chose. C'est juste 5 vis, hein, faut pas l'oublier. The gentleman's toes. Ah ouais, là du coup par contre faut qu'on mesure un pied à coulisse. Toujours un hein. GriffWorks dans leur colis. Là on a 9,3. 7,4. Oui. Mec, en fait je me demande si je pourrais déjà sortir de l'allée sans frotter la lame. Oh, tu mets ta main au niveau de la platine. Voilà. Voilà. Ok. Ça fait déjà 30 minutes que ça a sonné à mon avis. Ah, oui. Ah bah tiens, il m'a fait exactement le même que la dernière fois. Il s'est éteint. Ouais. Serré. C'est clairement pas assez serré là. Il faut vraiment la dynamo. Ça a combien? Je pense 120 en vrai. Devant ça doit être 50. En dessous ça doit être 120. Parce que voilà, j'ai terminé avant lui. J'ai commencé une demi-heure. Bon, finalement, elle n'a pas échappé au sort de connard qui veut pas s'enlever. Là, tu m'avais bloqué. Oh bah voilà. Du coup, on a des clés qui ont été fournies avec pour le réglage. Yes. Donc, faut serrer ça avec ça et ça contre le bas. Ah, vache. Oui. Oh, t'es le roi du pavé. Ah, je pense que c'est bon. Ah, douleur, douleur. Soit remettre la graffe ici, du coup. Donc, on la remettra. Ah, elle est là. 16h! Je croyais avoir terminé à 15h. Et on a terminé juste l'avant à 16. C'est censé être rapide. Et bon, je le sens arriver. Hein. Ouais, donc là, on a la suspension à changer. Ça passe à travers ça. Faut dévisser ici et au-dessus. C'est qu'il faut qu'on enlève la partie moquette. Il était où? Là. Et juste en enlevant ça, ça y va pas. Si. Tape dessus. Et attends, ça donne direct l'accès au combiné, c'est ça? Ah, t'es d'amortisseur. Non, reviens! Reviens! Putain, il a perdu un morceau. Encore un truc qui va faire du bruit dans la voiture. Ah ouais. Oh, reviens! Non, putain, il l'a fait. La bataille. Oh, Tanguy a gagné la bataille. Oh, c'est pas encore. Oh oui! Oh, je passe tout juste. Hein. Au poil de cul. Il y a un polo de largeur. L'unité de mesure qu'elle a. Le polo. Salut. Tiens. Si. Le mec il fait un tacle plongé pour mettre le dirigeant. Je mets tout mon poids dessus, je lève mes jambes. I need a protein. Avant toute chose. La ligne. Merde. Si c'est comme sur l'autre, ça serait du 14. Non. Ah, c'est du 12. Ah, d'accord, je vois. T'as besoin d'une place? Limite, faudrait que je monte dans le coffre en fait. Vas-y. Un plaisir. Un plaisir. Je l'ai. Chirurgie, mon gars. Mip. Mip. Du coup, ça fait 30 minutes x 3. C'est vraiment accessible. Mais non, mais je peux pas l'enlever. Oh, ça va être relou, ça. Ouais, ça fait une vidéo.
Après, quand tu seras rabaissé, on fait un concours, celui qui prend le dodan le plus rapidement. Ma 206 contre la tienne. Ah. Tiens, Tanguy. Merci. Ça va bien? T'avais réglé l'arrière aussi? Non, passe-le moi, t'inquiète, je vais le faire. On te remet ni mal, frère. À l'arrière, on rabaisse tout. Tiens. Ah, merci, frère. Tiens. Aïe. Ah, bah quand même, calme-toi, frère. Ah, bah c'est bon, maintenant. Tu veux peut-être le pied à coulis? Le coulis de tomate? T'es installé, putain. Alors, c'est simple, je rabaisse. De 3. Le 5 ici, on est à. 2. Je vais mettre un 5. Comme ça, je rabaisse de 3 cm derrière et de 2 cm devant. Bah, du coup. C'est bas? Ouais. Et ben, ça va être comme ça va être. T'es bas, mais ça change pas ta pré-contrainte et ça change pas ton amortissement. Non, donc, tu peux être bas en étant efficace. C'est ça, ces trucs. Allez, accroche. Elle a accroché. C'est bon. C'est qui rendu avant l'arrière, mec? Top. C'est franchement très rabaissé. Tu vois comment elle est quand elle est par terre déjà de base? Ouais. C'est encore plus rapproché. Tu vois, t'as le 36 avec le 18? Oui. C'est pareil. Oh, avec le 15? Oui, bah viens What voir. What the fuck? J'ai peut-être un peu abusé finalement. Tu vois, Tanguy, je fais ça sur le flanc, mais mes doigts ne passent pas. Je te l'avais dit. Là, t'as l'impression qu'elle est en squat en pleine accélération, mais en l'air. Là, c'est le nouveau kit Air Namek. Genre là. J'ai réussi à jouer, mais avec le 17. Ah, avec le 17, on a des tuyaux. Mais après, je suis même pas plus vieux que vous, hein. Ok. C'est vrai. T'es même plus jeune que moi. Deux mois. Et Nicolas, c'est le petit. Et Gaëtan, dans tous les sens du terme. Oh, c'est bizarre, mais t'es le plus âgé. Ah ouais? Bah ouais. On se calme les enfants là, d'accord? Prends du sérieux là. Hey, oh! C'est bon là, oh! Comment est-ce qu'on l'enlève? Tu soulèves le bras en dessous et que tu le tires. Ça dégage. Ça fonctionne. Donc on peut tout casser. Attends, mon nom c'est une drifteuse? LOL! Donc le grand. Le grand vers le moyeu. Grosse suspension, tout. Tu veux que je t'aide? Ça va? Ça y est. C'est parti! Ça dit 72 max en dessous, mais je serai à 75 parce que j'ai pas confiance. Ouais, ça tient quand même la caisse, donc bon, 72 cm. Ça parle de 206 là. Oui. On fait des runs. Du coup, j'ai pas pu. Enfin... C'est bon. Ouais, à sortir comme on est encore. Attends, déjà, faut que je descende. Je sens qu'on va la poser sur les roues et je vais immédiatement la relever pour rabaisser l'avant. Aïe. Ouh! Représente le camp d'Argange. Non, je rigole, ce n'est pas vraiment comme ça. Voilà, hein, calmez-vous. Amdoulila. Ah, tu veux mettre du cambeur? Au final, serre pas très fort tes roues en bas, serre bien fort tes roues en haut. Voilà. Comme ça, tu cambais et tu cambais bien comme il faut. On te brouille. On va rapprocher le vélo. Je sens le ressenti au volant, il va être tellement différent. Oui, clairement. Tu vas prendre le premier virage, tu vas « Oh, j'ai plein de grippe !» La République en marche, c'est notre projet. Tu vois ça, là? Ça, c'est l'instant démonétisation. C'est le bot YouTube. Oh là! Regarde la taille monstrueuse de ces trucs. C'est monstrueux ce qui se passe maintenant. Bon, voilà, ça dégage. Oh, putain. Sans l'excitation dans la voix de Tanguy. Si quelqu'un veut des amortisseurs de S13 en bon état. Bon état, hein? Non. Non. Bah, si vous voulez des amortisseurs qui passent, je vous aider sans problème. L'arrière droit. Problème mineur sans contre-visite. C'est la fixation, genre c'est tellement dégueulasse. Genre le silent bloc il est craqué, mon gars. Donc en fait ils sont pas à vendre. Je veux pas vous tuer, moi. Moi oui. Ok. Pas grand chose. Vous êtes prêts? Allez. Mon cric. Mec, mon cric. La S13 a bouffé le cric. Oh putain. Mais je peux plus le mettre en dessous maintenant! Oh non, pas la lame! Dégage! Dégage! Oh putain! Bon, c'est bas ou c'est pas bas? Ça flexe encore un peu, hein?
Bah enlève déjà l'autre côté. Oui, c'est vrai. Attends, déjà rabaisse parce que ça fera vraiment l'effet. Ouais, ça se trouve, ça va, ouais. Ça fera vraiment l'effet, je mange le sol. Ah oui, mon cric. Bon, le cric est coincé. Bah comment je fais, du coup? Ah, je sais. Faut mettre des cales de bois en dessous des roues. Ah. Your bed is sick, man. Bah, attention. Donc soit tu relèves un peu l'arrière, ce fit rabaisse l'avant. Je sais que tu vas rabaisser l'avant comme un con. Mec, tu vois Earth là? Je le défonce. Vraiment. C'est bon. T'as le pire fit. Ah, oh, je me sens. Je me sens. Non, y'a rien, mec. Il colle le sol. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? Le mec est plus bas que moi au 36. Déjà qu'il y a des basses. Ça fait dragster, ça. D'accord, j'avais pas vu de là. Mais comment on dirait qu'elle est cassée la voiture en fait. Ouais. C'est pas comme le 36 où du coup. Là c'est pour ça. Mais je compense qu'à l'arrière c'est trop haut sur le 36. Par la S13 ce sera trop bas. Équilibre. Je sais pas. Hein. Ouais. Ouais. Mais après t'en as une qui va sur la route. Et il y a des basses, il y a des trucs. Et ensuite on va mettre les 17 et faire. Oh, oh. Je pense que c'est bon. Ton arrière est plus. Ta hauteur de caisse globale est plus basse. Ah, ça lève partout. Ça y est, il est rigide. On rabaisse de combien? On est à 7. Et tu vas aller à combien du coup? 5. Ok. Ah, 5-7, on y est presque. Cet homme est beaucoup trop heureux. J'aime mes achats. 5-5, ouais, c'est bon. Tac. Je crois que j'ai trop fait le connard. La tendinite. Ah. Décès d'un youtubeur en direct. Non, je ne suis pas décès. À vendre bras de youtubeur ayant tenu de nombreuses caméras pour différents vlogs. Déjà, on voit si c'est bien. Là, c'est bon. Ça nous donnerait du coup ça. Je pensais on avait terminé les combinés à 15h quoi. On a commencé à 15h. On a même pas terminé. Je pense que j'ai encore abaissé d'un centimètre. Ouais. Du coup on va juste essayer de sortir de l'allée, voir si je frotte. Quand il dit qu'il est bas, c'est. Prépare un missile frère. Alors fais prépare drift S13 missile. Hein? Attends, je me mets devant. J'ai regardé derrière parce que ouais. Ça m'étonnerait que ça passe. Hein. Vas-y. Abandon. 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 On peut même pas sortir du garage. Il faut que je sorte du garage. J'en fous ça. On met des cales en bois gros. Oh ouais. Je mets mon pied, je passe dessus. Ouais, du coup, on est en train de régler la hauteur de derrière, c'est bon pour devant. On va passer de 1,5 à 4 cm. Hein. Ouais, ouais, je sais. On l'a remonté du coup. Hein. Tac. Bon, on va voir si on arrive à sortir en fait. En vrai, t'as de la marge, hein, vraiment. Ça passe bien, ouais. Ah, c'est stylé, hein.
franchement, elle est basse, hein, de ouf. Bon, vous inquiétez pas, hein, ce sera pas aussi dégueulasse. C'est vraiment les jantes qui font ça, qui donnent cet aspect dégueulasse. Donc, je pense, ouais, quand on va mettre les nouvelles jantes, on va devoir encore remonter un peu, mais. C'est genre, c'est trop bien, quoi. Demain, on fait un petit test sur route. On frotte quand même pas mal, hein. Genre, on frotte de ça, là. Tout ça, là. Après, c'est la ligne stock. Et du coup, elle va super bas. Un mot à dire, Gaëtan ? Dormir ? Oui, il doit être genre minuit. 23h11, donc pas minuit, mais presque. Voilà. J'ai essayé, regarde. Je passe dans mon coffre alors que je suis pas spécialement japonais. Genre en termes de carrure, graisse, tout ça. Allez, salut ! A plus ! Bande de nazes ! Qu'elle penche du cul, hein. Je pense qu'on va encore un poil remonter derrière et un poil rabaisser devant, genre de 1 cm derrière et 0,5 devant. Là on va rouler comme ça, on va voir ce que ça donne. Je suis étonné, on est en 9,7 du coup en termes de tarage des ressorts. Elle accroche quand même à la route, hein, genre c'est ouf. Alors là on a le fameux test du passage. Ah, on se coupe quand même un peu plus qu'avant. Putain, c'est n'importe quoi. Elle est baguée au sol. T'en penses quoi? C'est bon là, mon quota de haut bas il est refait là. J'étais presque eu, hein. Putain, elle est folle. C'est trop bien. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai fait un petit déclenchement, il y avait personne. I'm a bad boy. Oh, je sais. La puissance de partir à tous. Allô.